Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur OMSI 2. Écoutez, dernière vidéo sur Project. Je tétine et aujourd'hui avec un Mercedes Citaro Facelift avec une petite livrée SPAC. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes partis pour faire la ligne numéro 59. Alors, on va démarrer notre petit circuit électrique pour faire monter nos passagers. Qui serait plutôt sympa pour eux. Allô. Voilà. Hop. Allô. Alors, basse température. Oui, c'est normal. Écoutez, hop, on va mettre le chauffage. Donc, dans cet épisode, nous allons parler de deux, trois petites choses. Écoutez, assez intéressantes. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vous signale que j'ai enlevé mon mode graphique parce que, avec le logiciel de capture, ça passait pas trop et ça rendait les couleurs un peu fades et ça rendait pas du tout le même rendu que j'avais. Par contre, on a actuellement une voiture. D'accord. On a actuellement une voiture dans notre véhicule. Ce qui est pas vraiment super cool. Attendez, on va essayer déjà de désactiver les collisions pour éviter de tout faire de guet. Ah bah c'est bon, c'était déjà désactivé. Ok. Alors attendez, bougez pas. On va juste bouger tout ça en démarrant le moteur. Hop. Ce serait peut-être mieux. Hop, écoutez, on va refaire un petit tour. Hop. Donc oui, donc comme je vous disais, j'ai désactivé le mode graphique, donc le sweet FX, mais j'ai laissé les petites textures au niveau du ciel. Donc ça, normalement, ça devrait pas être enlevé. Hop. Et encore, je pense qu'il faut que je les réinstalle parce que là, j'ai l'impression d'avoir le ciel qu'on avait au début. Hop. Voilà, parfait. Allez. Hop, nickel. Alors, petit Citaro facelift, comme vous avez pu le voir. Voilà, alors une livrée de piètre qualité, mais bon. Une livrée quand même, hein, écoutez. Hop. C'était la seule livrée que j'avais trouvée. En tout cas, la seule livrée SPAC que j'avais trouvée. Donc, ligne 59, regardez un petit peu la fiche horaire. On part à 14h41 et on arrive à 15h04. Voilà, donc une petite vidéo de 30 minutes nous attend. Petite lumière pour nos passagers. Écoutez, parfait. Alors, c'est un deux portes et il me semble que malheureusement, la seconde porte est automatique sur ce facelift. Hop. Écoutez, on va y aller. 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà, ça comme ça. Parfait. Est-ce qu'on a des passagers? Non, on va activer. Ah, bougez pas. On va déjà prendre une petite photo. Hein. Chaque chose en son temps. Voilà, maintenant, on va activer ça. Hop, c'est bon. On peut y aller. On va activer aussi ceci, qui est l'agenouillement. Et on est parti, écoutez, pour cette ligne 59. Hop, donc dernier épisode, comme je vous ai dit, sur Project. On va juste mettre la gamme comme ça. Sur Project Stettin, ensuite on ira sur Cégrand, écouter, tester un petit peu la map. Et sur Cégrand, écoutez, durant le let's play sur Cégrand, je vous ferai un petit sondage, écoutez, pour savoir quelle map vous voulez qu'on fasse après Cégrand, justement. Voilà, puisque j'en ai pas trop mal, mais bon, vu que je sais pas trop choisir, je vous ferai un petit sondage. Et donc d'ailleurs, en parlant de sondage, écoutez, sachez que vous aurez actuellement dans cette vidéo un sondage pour savoir quel jeu vous aimeriez voir, écoutez, pour un live que je vais organiser. C'est le live des 1800 abonnés, écoutez, puisque les 1800 abonnés ont été atteints et très 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 rapidement, écoutez. Donc vraiment merci beaucoup à tous, écoutez, en ce moment la chaîne... Ça se referme derrière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah. Attendez, on a un souci de porte arrière. D'accord, ok, c'est bon, c'est refermé. Donc, oui, voilà, la chaîne en ce moment, écoutez, elle se développe très très bien et les abonnés montent extrêmement rapidement. Actuellement, il y a 1840 abonnés alors qu'il n'y a même pas 3-4 jours, on était encore 1700 et des brouettes, voilà. Donc, enfin, 1700 des brouettes, 1780-90. Donc voilà, merci beaucoup à tous et bienvenue à tous les nouveaux arrivants, écoutez, sur la chaîne. Et merci de vous être abonnés. Juste un petit truc que je remarque, c'est qu'il n'y a pas d'annonce vocale, très étrangement.
Voilà, mais les annonces, enfin les arrêts se passent tout seul, mais il n'y a pas d'annonce vocale. Bon, très bien. Et donc du coup, écoutez, comme je vous ai dit, il va y avoir, un petit live des 1800 abonnés. Et écoutez, vu que je sais pas trop quel jeu faire, je vous propose un petit sondage. Donc très important, allez bien voter pour les jeux que vous voudriez avoir. Donc il y aura une petite sélection de jeux et vous pourrez voter. Comme ça, on s'organisera en fonction des jeux que vous préférez. Ensuite, au niveau du live, ça devrait se dérouler le week-end prochain. Donc, quand vous voyez la vidéo, ça devrait se dérouler le week-end prochain normalement. Et puis, voili voilou. Peut-être qu'on commencera du coup, puisque je suppose que vous voudrez qu'on fasse du Homecy 2. Peut-être qu'on commencera à écouter C'est Grand en live. Ça pourrait être une très bonne idée, tout ça, de commencer C'est Grand en live. Donc, pourquoi pas, on verra bien, écoutez. Nous verrons bien. Alors, en tout cas, la 59, elle commence dans la Cambrousse, puisque là, on est un petit peu loin. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on va à Place Rodela. C'est là où on était... oui, c'est bien ça, la girouette. C'est là où on s'était arrêté pour le Terminus. Voilà. Dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à Place Rodela. On avait fait Wirzewo ou un truc dans le genre, jusqu'à Place Rodela. Mais dis donc, c'est qu'il y a du monde ici, là. C'est quoi tout ce peuple? Attendez, on va ouvrir les deux portes. C'est quoi tout ce monde? Regardez-moi tous ces gens. Hop, petite photo. Bonjour à tous. Au niveau de notre température, on est à 17 degrés, c'est très bien. Hop, au niveau de notre horaire, on respecte tranquillement. Alors oui, je viens de passer un arrêt. Et en effet, on n'a pas d'annonce vocale. Un petit peu dommage. Enfin bon, c'est pas bien grave. C'est bon, tout le monde s'assoit tranquillement. Ok, c'est parfait. Hop. Alors vous pouvez voir que les vitres arrière, en tout cas les vitres passagers, sont vachement teintées par rapport au... à mon pare-brise. Enfin bon, c'est pas bien grave puisqu'on n'est pas passager. Nous sommes conducteurs. Écoutez, de ce petit Citaro facelift. Facelift. Alors, prochain arrêt, Goklowska. Ok, très bien. Écoutez, on roule tranquillement pour l'instant. On prend un petit peu d'avance alors que je ne roule pas très vite pourtant. Ah, quelqu'un voudra descendre au prochain arrêt. Alors, merci aussi beaucoup à tous pour vos retours du dernier épisode sur Homecy 2. Je vois que vous avez été très nombreux à l'apprécier. Écoutez, ça me fait très très plaisir. J'espère que vous aurez aimé autant que moi ce Man Lion City A37. Écoutez, qui est vraiment super sympa. Honnêtement, il est vraiment super bien fait. V3D a fait un très très beau travail pour ce Man. C'est assez marrant là dans les Citaro, ces places en cercle. Alors, il me semble que je suis jamais monté dans un facelift moi. Mais c'est assez drôle ces places en cercle. Ça doit être assez perturbant quand on s'assoit à l'arrière. Attendez, on va essayer de trouver une canne. Voilà, ça doit être assez perturbant parce que du coup les personnes se regardent mutuellement. C'est ça doit être un peu gênant. Moi j'aimerais pas. Hein. J'aimerais pas personnellement. Enfin bref. Rêve de bavardage. Oh, un collègue. Hop. Il va en direction de Weasley Waza. Donc là on est parti. Et donc du coup je vous ai peut-être dit des bêtises puisque on devait faire Cormorano Place Rodela au dernier épisode. Je sais plus du tout à quel arrêt on était. Hop. Allez, parfait. Parfait. Hop. Allez, bah 70, bah c'est très bien. Très bien. Et on dit qu'il pourrait y avoir des traversées d'animaux sauvages. Alors, attention. Hop. Ah, encore un collègue. Encore avec la livrée de Spiterberg Postbus. Ah, y'a personne, très bien. Hello. Y'a personne. De notre côté, il est un peu paumé, là, elle, hein. Il est un petit peu paumé. Ah, on devrait bientôt rentrer. Là, je colle un petit peu. On devrait bientôt rentrer dans le centre
de Project Stettin, tout du moins de Stettin. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on s'arrête pas, à votre avis? Moi je pense qu'il y a personne. Ouais, et j'avais raison. J'avais raison, j'avais raison. Hop, faut qu'on passe les arrêts là. Prochain arrêt, Oza. On a un collègue devant. Hop. Mais il roule bien le facelift. Il roule bien, c'est agréable de conduire ce petit Citaro au facelift. Hop. Freiner un petit peu. Oula, il y a du monde là. Puis la 107, le bus devant nous. J'espère qu'il va bien s'avancer pour me laisser. Hop, de la marge, voilà, parfait. Allez. J'espère que mes passagers vont avancer aussi. Ouais, nice. Ah, non, c'est pas les miens. Ah, si, bonjour. Hop, parfait. Alors, nous on est à 59 direction Place Rodela, donc c'est tout droit pour l'instant. On a une petite minute d'avance, ouais, j'ai pas fait gaffe. Au prochain arrêt, on régulera un petit peu. Il y a un petit bâtiment sur la gauche. Là. Alors ça, c'est un trajet qui est emprunté par la ligne 63, il me semble, et la 58, mais je suis même pas sûr. Faudra regarder, mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça, il me semble que c'est ça. On prend vachement d'avance, là. On prend vachement d'avance. Pas normal, tout ça. Pourtant, je roule pas vite, hein. Je roule pas spécialement vite. Ah, il va y avoir un arrêt, là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le panneau? Il nous dit 58, 59, 63, 82, ouais. Ok, ok. Hop. Allez, on va avancer un petit peu de temps. Voilà, hop, parfait. Téléportation des bus. On va se ravancer un petit peu, nous. Est-ce que quelqu'un veut monter? Non. Personne, c'est très bien. Hop, ah, si, peut-être la dame, non. Attendez. Ah non, c'est bon, je pensais que la dame en violet voulait monter, mais non. C'est tout bon. Allez, on est reparti. On était à Jana, quelque chose. Ah, feu rouge. Feu rouge, feu rouge. Hop. Viens la souris. Alors, comment ça se passe à l'arrière? Bah dis donc, ça se passe plutôt bien, mais il y a un peu de monde, ouais, dans ce facelift. Il y a un peu de monde sur cette ligne, honnêtement. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde, écoutez. Je pensais pas. Ah d'accord, je me disais bien que j'étais dans quelqu'un. Je me disais aussi. Allez go. Oula, il est arrivé comme une balle derrière moi lui. Alors, prochain arrêt, Comuni Pareski. Alors ça c'est l'arrêt qui est quasiment traversé par toutes les lignes de la map. Alors. Vas-tu passer au vert, petit feu? Bon, c'est bien parce que en fait on prend de l'avance, mais finalement avec les feux ça va, ça nous remet à l'heure plutôt facilement puisque les feux sont assez longs sur cette map. Mais encore celui-là ça va, on n'a pas trop attendu longtemps, mais sur certains feux c'est vrai que c'est vraiment super super long. Allez go. Oula, bah ça y est, on vient de se prendre une minute dans les dents. On va tranquillement rattraper jusqu'au prochain arrêt, je pense. Il faudra qu'on regarde un petit peu notre fiche horaire pour voir un petit peu à quel moment de la ligne on est. D'ailleurs, juste, j'aimerais activer les petits tickets, ouais, parce que je sais pas pourquoi ils ont été désactivés, ces tickets, mais moi, j'aime bien vendre des tickets, écoutez. Je sais pas si vous aimez bien quand j'en vends, mais moi, j'aime bien vendre mes petits tickets aux passagers. Bon, c'est sûr que s'ils veulent tous un ticket, au bout d'un moment, je pète un câble, mais... Mais bon, c'est cool des fois de vendre 2-3 tickets, c'est sympa à écouter. Qu'est-ce que c'est que cette texture blanche au loin? Ah, c'est l'arrêt, d'accord. Je pensais que c'était un bus qui était bugué ou autre. Hop. Allez, ça y est, au bas. On arrive à Comuni Pareski, il y a 5 bus tout d'un coup.
Oh bah. Donc. Il y a du peuple, il y a du peuple. Regardez, l'arrêt, il est tellement long. On va bien aller au bout. Parce qu'il y a un collègue derrière, je pense. Ou alors un collègue qui va arriver. Voilà. Hop, comme ça on est bien au bout. Ici, il y a un collègue qui veut venir, mais il n'y en aura pas. Puisque, bah eux, ils doivent attendre longtemps. Hop, comme ça, ouais, non, là, on peut stocker, je pense. 1, 2, 3, 4. Il y a moyen de mettre 4 bus, là, honnêtement, hein, rien qu'à l'arrêt, donc bon. En même temps, l'arrêt est traversé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Non, 7 lignes, autant pour moi, je sais pas compter. Donc bon, c'est un petit peu normal que y ait de la place, quoi. Allez. Go, go, go. Alors, j'aimerais parler aussi d'un truc, parce que vous avez été nombreux à m'en parler dans la dernière vidéo. C'est au niveau de la nouvelle mise à jour de MSI. Oui, parce qu'il y a une nouvelle mise à jour, la 2.3, qui rajoute le support des bus bi-articulés. C'est-à-dire des bus avec deux articulations. Donc ça a l'air d'être un truc de ouf. Et donc apparemment, il y a un bus qui va sortir par le créateur de celui qui a fait le C2GC2. Voilà. Et donc apparemment, d'après ce que je... D'après ce que je comprends, il serait payant. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Mais enfin, bon, c'est celui qui a créé le C2GC2. Et s'il nous fournit la même qualité au niveau de son bus bi-articulé, c'est pas forcément gênant. Enfin, du moins que c'est pas à 50 balles, ça va. Mais enfin, bon. Je pense pas me l'acheter spécialement. Mais bon, après, à voir. Mais bon, je pense pas trop me l'acheter. Donc, dans l'idée, arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Ce sera un Van Hall, je sais pas combien. AGG. AGG 300 ou un truc dans le genre, enfin bref, c'est un nom de taré aussi. Et donc voilà, tout simplement la dernière mise à jour de MSI 2, donc ajoute le support de ces bus bi-articulés. Je suis pas forcément allé au bout puisque je savais qu'il n'y avait pas de collègue derrière moi. Et c'est dingue ces arrêts là qui sont super longs. C'est marrant, c'est marrant. Allô. Ah oula, j'ai failli refermer sa tronche. Allez, ferme s'il te plaît. Merci. On va regarder où on en est au niveau de notre fiche horaire. Wilska, bon bah on a bientôt fini, voilà. Dans 5 bonnes minutes, on est arrivé à Place Road là. Alors là, je vais essayer, attention, d'enlever l'itinéraire. Alors, il me semble qu'au prochain feu, c'est tout droit. Et si justement on va à Place Road là, peut-être que l'on ne s'arrête pas. Mais encore, j'en suis pas sûr. Peut-être que l'on ne s'arrête pas à cet arrêt qui est juste là. Ouais, non, il me semble qu'on s'y arrête pas. Je suis même quasiment sûr, non. Là, c'est un Maya, ouais, c'est bien ce que je me disais. Nous, on continue et on va s'arrêter. Oula, on va s'arrêter au feu d'abord avant de s'arrêter à l'arrêt. Hop, on a repris un peu d'avance. Hop. Bah, il y a un peu de monde qui voudra descendre. Hop. On va essayer de faire un truc assez méchant. Ouais, non, trop tard. Je voulais doubler la voiture, faire une accélération tarée. Ah bah non, en fait, je pensais qu'elle allait tout droit. Pour essayer de me remettre devant elle à l'arrêt. Rien que pour voir si j'arrivais à le faire, mais en fait, non. On ne va pas s'exciter pour rien. Hop, donc voilà notre arrêt. Il est juste ici. Hop. Parfait. Hop. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah, enfin un ticket. Enfin, enfin. Alors, où est-ce que je l'ai ma machine? Là, 2,70, c'est ça. Hop. La madame, je rends la monnaie. Voilà. Vous, 2,70, c'est pareil, c'est celui-là. Hop. Voici. Allez, go. Oula, il y avait un collègue derrière, excuse-moi collègue. Je suis pas mis au fond fond de l'arrêt. Allez. Donc là on monte tranquillement et on arrivera au niveau de Place Road là. Écoutez, là je connais un petit peu le trajet. Hop. Allez, petit feu.
parfait. Un collègue en face qui fait la ligne 107. Ouais, il avance bien le facelift. Non, honnêtement, il a pas mal de patates, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. En tout cas, on entend bien le moteur, ça c'est sympa aussi. Hop. La prochaine arrêt, il faudra ouvrir le truc poussette. Alors ça, c'est un truc vraiment fictif, hein, si vous voulez. Il vous annonce le truc poussette, mais bon, il n'y a pas vraiment de poussette. Mais bon, j'aime bien allumer le bouton, comme ça, écoutez, c'est fait. Hop. Ah, petit lag. Alors, Mataiki, il me semble que c'est juste là, au niveau de l'arrêt rouge. Ah. Ça y est. Gomsi est revenu à lui. Voilà, c'est juste ici, Mataiki. Hop. Hop. Alors, où est-ce que c'est? Donc, je sais jamais où on tourne. Où on tourne à droite. C'est bon, ils ont fini descendre, on peut relever ce bouton. Allez. Parfait. Ouais, mais on a vu un carton là ici l'autre jour. Enfin un peu plus loin. Il y avait une voiture qui nous était rentrée dedans. Enfin. On va dire qu'une voiture s'était rabattue devant nous au dernier moment. On va dire ça comme ça. Enfin la dernière fois, c'était avec le Man NL202, celui qui fait masse bruit. Hop, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et je pense qu'ils le sont d'ailleurs. Allez. Allez, dis-moi que le feu... Ouais, parfait, petite flèche. Allez. Là, on devrait arriver bah, justement à Place Road là. Là, je sais un petit peu. Hop. Au rond-point là-haut, on prendra à gauche, il me semble. Je suis même quasiment sûr d'ailleurs. Alors. Quack. Quack. Attendez, j'essaie de me repérer sans passer en vue externe, etc. Cormorano 68. Ok. Il me semble que c'est au rond-point là-haut qu'il faut tourner. Il me semble que c'est ça. On va bien voir, mais si mes souvenirs sont bons, il me semble que là on tourne à gauche et normalement on arrive sur le sur notre arrêt. On va bien voir, mais il me semble que c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Écoutez, ça a l'air d'être ça. Allez. Oh non, les feux sont vraiment longs. Hein. Derrière, ça va descendre. Au niveau de la température, on peut couper le chauffage. Ouais, il fait 24, laisse tomber. Hop. C'est vrai que j'avais pas forcément fait gaffe à ça. Allez. Nous allons être arrivés. Alors, est-ce que c'est ça? Oula, je suis même pas sûr. Attendez, on s'est perdu dans Place Road là. Est-ce que c'est ça? Si, c'est forcément ça. Ah oui, et au bout, tout droit, je pense. Attendez. Où est-ce qu'on arrive là? Je dirais à gauche, mais... Attendez. Je triche, mais... Ouais, c'est ça. Voilà, c'était ça à gauche. C'était à gauche. Ouais, j'ai cru que je m'étais perdu au bout d'un moment. Du coup, je suis dans la mauvaise file, c'est cool. Est-ce qu'on peut reculer? Quelqu'un derrière? Non, personne. Hop. Oula. Oh la vache, le taxi. Aïe. Ah bah, j'ai pas réactivé les collisions, du coup. Excusez-moi, monsieur le taxi. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Hop. Parfait. Allez, là on prend à gauche.
Et on y est normalement. Hop. Parfait. Regardez, on retrouve notre petite man Lyon City que l'on avait garé la dernière fois. Hop. Allez, j'ai fait exprès de le garer là parce que je sais que j'ai la place. Parce qu'en fait, là, mon arrêt, il est juste là, donc... Hop, voilà, je sais que j'ai la place comme ça de me remettre là. Je suis un peu loin de l'arrêt, mais bon. C'est pas bien grave, quoi. Hop. Allez, tout le monde descend. Moi, je suis quand même en face de l'arrêt. Ça va, ça va. Hop. Bon, bah voilà, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur HomeCity 2, la dernière vidéo sur Project Stettin. Du coup, ça veut dire que semaine prochaine, vous avez le droit à un petit tuto pour installer la map. Et ensuite, on ira sur ces grands. J'espère que la vidéo vous aura plu une fois de plus. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Show on, get paid.